La foule était assise autour de lui. Et tout pour le bâti vandaki zinga zinga naye. On lui dit balobi naye. Il s'agit du Seigneur de gloire. Ba kolobelande kolo na kembo awa. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Tala maman nayona bande kono baza libanda ba kobenga yo. Il répondit. Yé ayaloni. Qui est ma mère? Nani yango mama na ngai? Et qui sont mes frères? Pe ba nani yango bazali bandeko na ngai? Oui, je tends les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Si ma italie miso, du corona ba bavanda ki nzinga nzinga na ye. Voici, dit-il, à l'hôpital, ma mère, mama na ngai ye, et mes frères. Na bandeko ya ngai. Car poète. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est pour cette raison-là que nous appelons frère. Mes frères et sœurs, celui ou celle qui fait la volonté de Dieu. Et pour être frère et sœur, il faut être né d'en haut. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, nous n'avons pas le droit de l'appeler frère ou sœur. Cela est très fort, mais c'est ça la vérité. C'est ça la réponse que le Seigneur a donnée. Si tu fais la volonté de Dieu, et que moi aussi je fais la volonté de Dieu, alors nous sommes frères. Comme de coutume, nous au-dessus, parle à chaque cœur. Nous attendons à toi. Toi qui nous connais mieux, toi qui connais tous nos besoins, toi qui sais de quoi nous sommes faits, tu te souviens que nous sommes poussière. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas. En ce temps, tous nos regards sont tournés vers toi. Nous croyons à ta présence. D'ailleurs, il est grand, mais si tu es pour nous. Oh Dieu, quiconque vient à ta présence ne rentre pas le monde. Tu le bénis. Tu le combles de beaucoup de joie. Qu'il en soit ainsi, c'est après-midi. Au travers de ta parole, qui sera prêché à ses lieux. Ouais, donc c'est invitant. À qui que nous parlons. On voit la même option. Bénis ce Seigneur, qu'il te soit entièrement consacré, du début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi. Amen. Amen. Veillons à ce moment. La voix du Seigneur, ma mère, Dieu, en ta gloire, c'est bien plus fort. Je retourne.
Nous le remercions, lui qui a ramené ce qui était possible. Et qui nous a donné à nous tous la vie. Le mouvement, l'être et la respiration. Nous disons que son nom soit loué. Nous voudrions juste nous lever. Nous prenons deux rois chaque jour. Nous disons à partir de cette tournée. Lorsque le Seigneur fit monter lui au ciel dans un tourbillon, il partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'écoute. Car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, le Seigneur est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne t'écouterai pas. Il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Ils lui dirent, sais-tu que le Seigneur enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée reste ici. Je te prie car le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il lui répondit, le Seigneur est vivant. Ton âme est vivante. Je ne t'écouterai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Fils des prophètes qui étaient à Jéricho. S'approchèrent d'Élisée. Et lui dit, sais-tu que le Seigneur enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Car le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Il répondit, le Seigneur est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne t'écouterai pas. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes nés et les fils des hommes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. Le roula et en frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là. Et passèrent tous deux à lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, Élisée, sur moi je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit qu'il demande une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera. Il continue à marcher en parlant. Voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, Mon père, Israël et sa cavalerie. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Relevant le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il les tourna. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Et le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux. Il dit, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là. Et Élie les passa. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu notre Père, nous te remercions pour cet après-midi. Nous voulons compter sur toi, sur ta grâce. Ceci est ta parole. Et toi-même tu as inspiré. Et toi-même tu as mis par écrit. Tu es le seul qui a habilité à nous la révéler. Alors nous devions de nous aider. Et par ton Saint-Esprit, que ta vérité soit transmise à ton peuple. Ce service qui dédie à la fin. Pour que la gloire te révèle en toutes choses. Prends-nous tous sous le sang. Accepte-nous dans ta grâce. Bénis ton peuple. Et pas le heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bien travaillé. Bon.
Comme je le disais tantôt, frère Denis, c'est déjà une grâce pour moi d'être ici ce soir. J'aime bien ces lieux. C'est vrai que les engagements que nous avons ne nous permettent pas d'être totalement disponibles. Mais quand j'ai la possibilité de rentrer en ces lieux, c'est toujours avec plaisir. C'est que vous aimez la parole. Monsieur, c'est la terre passante. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. La particularité de cette visite, c'est le fait aussi qu'elle intervient après un moment douloureux. Moment pour lequel je vous présente toutes mes condoléances. Aussi, j'ai du retour à la maison de notre sœur Guilherme. Pour moi, cette situation est particulière. Parce que Père Félix vous l'a dit, la sœur Guilherme fait partie de mon histoire. En novembre 1991, nous disions tout à l'heure que le ciel est la terre passante. Mais la parole de notre Dieu demeure. Le temps est venu que les élus prennent position. Et qu'ils prennent position à l'égard de la parole de Dieu. Paul a dit. Et nous y reviendrons. Que nous ne connaissons personne selon la chair. C'est le moment où dans l'heure. Et au sujet de tout ce qui est fait dans la maison du Seigneur, que tout soit fait selon la volonté du Seigneur. Bien mes frères, regardez avec moi dans Ephésiens, chapitre 1er, l'apôtre parle aux élus. Vous connaissez bien ce passage. Il dit au verset 3, béni soit le Dieu. Et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ne cesserons jamais de revenir là-dessus, car c'est le but qui accorde la valeur à l'élection. Pourquoi nous a-t-il élu? Pour que nous soyons saints, pour être tous à la passante et irréprochables, pas devant les hommes, il faut se rabattoter, mais devant lui. Casse, il faut se rayer. Alléluia. Amen. Parlant de Paul dans Actes chapitre 9, il le qualifie d'un vase d'élection. Il le qualifie d'un vase d'élection. Nous sommes au chapitre 9. Nous lisons le verset 13 déjà. C'est Ananias qui parle. Il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Mais ce n'était pas d'entendre ce que les hommes ont dit. Le problème, c'était de connaître ce que Dieu faisait. Cela est vrai que les hommes ont dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et lui, Dieu, quand il s'adresse à Corneille, à Ananias, verset 15, même le Seigneur lui dit, malgré ce que les hommes ont dit, quand il n'est pas question d'être irréprochable devant les hommes, il n'est pas question d'être irréprochable devant nous. Lui, c'est Dieu saint qui nous voit sous les sangs. Il s'adresse à Ananias, il dit, va. Cet homme est un esprit pas que je choisis. Cet homme, c'est un vase d'élection. Pour porter mon nom. Devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Le fait qu'il soit un vase d'élection, il n'y a pour rien. Il y avait un but. Êtes-vous d'accord avec moi? C'était porter le nom du Seigneur devant des rois, des nations, et devant les fils d'Israël. L'élection est liée au but. Et c'est le but qui donne la valeur à l'élection.
Il nous a élus. Mais pour quelle raison? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Amen. Que vous connaissez certainement. Nous sommes au verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Est-ce qu'ils sont ici les bien-aimés du Seigneur? Amen. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Nous devons vous exiger rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. Et le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. Ce à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. Il vous a élu pour le salut. L'élection nous garantit une sécurité éternelle. Celui que Dieu a élu, Dieu l'a élu. L'élection nous garantit la prise en charge dans la marche. L'élection nous garantit la protection à l'égard de la séduction. Pour partir les derniers points, la Bible dit que la séduction serait grande. Au point d'aborder les élus, si cela était possible. Mais à cause de l'élection, même Dieu t'y aille. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi, Dieu, je te garderai à l'heure de la grande tentation. La grande preuve, à l'heure de la grande séduction. Évangile Franck dit, il n'est pas question là-dessus des péchés que les hommes commettent. Comme mentir, voler, il est question de la séduction à l'égard de l'Église. Dieu lui s'engage à préserver le Seigneur par rapport à cela. Pourquoi? Puisqu'il les a connus. Pour être assis ma vie, les avant la fondation. Alléluia. Amen. L'élection nous garantit la prise en charge. Pour la maïs, il faut faire des ambages au mission. Mes frères et sœurs, si je prends la mission de service, sans qu'il accueille mon attaque comme ça, et que mon entreprise m'envoie, un père, une famille, mon billet d'avion. C'est à charge de mon entreprise. Mon logement. C'est à charge de mon entreprise. Ma restauration. C'est à charge de mon entreprise. Qui a fait sortir Israël de l'Égypte? Non, le Bible sort Israël de l'Égypte. Nous disons c'est Dieu. Donc on avait été. Mais c'est lui qui les a fait sortir. Oh, il y a Bible ça. Lui qui avait la responsabilité de prendre en charge Israël. Il y a collègue à Israël dans ma salle. Ce n'était pas Israël qui s'est débrouillé dans l'Israël. C'est la responsabilité de la marche. Elle remet à celui qui les a fait sortir. Et c'est là qu'il m'a mort qu'on avait Bible ça qui va mort. Ce qui n'est pas dit jamais. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit. Dans la Bible dit. Dans les déserts. Pendant les années de la marche. Aucun pied n'était enflé. Le coronement quand on dit qu'on a un côté Zimbabwe. Aucun vêtement n'était usé. Et là-bas, mon côté passe au caca. Quel miracle! Comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui est sorti à 5 ans, Motoyo Abini, à 5 ans, il est entré à 45 ans. À côté du coup, il y avait-il des couturiers dans les déserts? Ils disent non. Y avait-il des magasins dans les déserts? Ils disent non. Avec les mêmes vêtements, avec les mêmes souliers, les hommes ont évolué pendant 40 ans. Qui a pris cela en charge? C'est Dieu qui a pris cela en charge. Voilà pourquoi il est le frère. Mais celui qui a une position haut et élevée. Et ils comprennent bien aimé qu'ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas de la terre.
Et Dieu a placé dans leur cœur le désir de faire sa volonté. Dans le Marc au chapitre 3, là où notre frère Guy Roger a lu, on est venu voir Jésus avec une vision charnelle. Avec une manière charnelle de voir les choses. Nous sommes au verset 31. Marc chapitre 3. Sur vers sa mère et ses frères. Sa mère et ses frères arrivaient. C'était là dehors. Ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Tous les étaient assis autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et tes démons. Et il répondit, et qui sont mes frères. Oui, j'étais les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, et ma mère, mon frère, ma soeur, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là, ma soeur, c'est celui-là, mon frère, c'est celui-là, ma mère. Il n'est plus question d'une relation charnelle. Comme j'ai l'habitude de le dire, regardez ici. Dans la chair, petit frère de Jésus. Et quand il écrit son livre, il n'a pas privilégié la relation charnelle. Il n'a pas dit, alors, petit frère direct de Jésus. Et il a grandi dans la même messe. Et s'il dit son propos, il a connu les mêmes difficultés. Les cas qu'il a mis à 80 ans, il n'a pas dit ça. Serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Car c'est la relation spirituelle qui est beaucoup plus importante que la relation charnelle. Alors l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est ce que j'ai dit à mon épouse. Quand je parle, c'est à quoi le mec de la différence entre Nazaire, ton mari, Nazaire, l'homme de Dieu. Si tu ne mets pas la différence, donc tu as une chose que tu lâches la bénédiction. Yo, Zami, comme il n'est pas mort. Comprenez-vous cela? Voilà pourquoi, bien aimé, dans le corps de Marie, le Seigneur amène ces gens à commémorer, à comprendre que la chose la plus importante, c'est accomplir la volonté. Et c'est lui qui va conquérir le cœur de la dame. Il est question de ceux qui peuvent dire, comme Jésus, le corps de Jésus, pas ce que je veux. Et pas comme je le veux, mais ce que tu veux, quand tu t'attends, comme tu le veux. Mais qu'est-ce qui amène jusque-là? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est infaillible. 1 Jean chapitre 5. Venez répéter les gens, nous sommes au chapitre 5. Vous connaissez le bossier, il y aura tout à mon capramita. Verset 1er. Voilà les bossiers. Quiconque croit que Jésus est le Christ, montons-nous en liberté, yes, il est le Christ. Il est de Dieu. À montagne ou tasse. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, Père Montoyo, à l'ignorer, Père Montoyo, il aime aussi celui qui est né de nous. À l'ignorer, Père Montoyo, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Donc, il y a bien des tolines, d'accord? Lorsque nous aimons Dieu, quand nous tolines, nous aimons, et que nous pratiquons ses commandements. Père, dans l'amour de Dieu, Jean-Pierre Bolivar, consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas bénis. Mais il y a que les gens, ils passent ici. Car tout ce qui est né de Dieu, l'ignorer, Père Montoyo, nous aimons les enfants du monde. Et la victoire qui tient au monde, et l'ombre de l'homme au monde, c'est notre foi. Il y a encore qu'on dit maladie. Voilà pourquoi Jésus a posé des problèmes devant Nicodème. Jésus a pratiquement votre Nicodème. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut comprendre. Il ne peut voir. Il ne peut discerner ces choses. Car le passage obligé, c'est la nouvelle naissance. Loin de moi le sujet de me glorifier dans ce
Loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Et de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parti le monde est crucifié pour moi. Je le suis pour le monde. Car ce n'est rien. Être circoncis ou être circoncis, c'est qu'il y ait quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël. Ce n'est rien de que circoncis et circoncis. Il est question de la chair, bien sûr. Ce qui est quelque chose, c'est la circoncision du cœur. Mais qui fait ça? Deutéronome 10. Vous circoncirez votre cœur. C'est Dieu qui le dit. Mais comment un homme peut-il circoncire son cœur? Deutéronome 10. Le Seigneur lui-même circoncira votre cœur. Alléluia. Amen. Même nos capacités passent obligatoirement par la circoncision du cœur. Et c'est dit qu'on les petits dans le cadre de Dieu lui-même. Circoncira votre cœur. Alléluia. Que vous soyez rendus capables. Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Mais pour que la chose arrive, la semence doit être apportée. Amen. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et la semence doit être totalement pure. Car c'est déjà important. En français, s'il y a 99 femmes de la taille de notre sœur Jeanne, et que vous avez un petit garçon comme celui qui la supporte là, la phrase change. On ne dit plus elles sont là. Malgré 99 femmes, on dit en français ils sont là. La phrase a changé. L'influence du petit homme. Bien qu'il soit petit, mais puisqu'il est homme, il influence toute la masse. C'est la même chose avec la sémence. La grande partie de la sémence n'est que totalement vraie. La grande partie. Mais le peu qui est altéré là, il dérange toute la sémence. Si quelqu'un prêche la polygamie, il verra la polygamie partout. Même quand il entre dans la ville là-bas, alors que Paul est entré dans la même ville, il prend ça là, il prend Agar, il ressort, il voit deux alliances. Alors que celui qui prêche la polygamie, quand il entre dans la même ville, il prend ça là, il prend Agar, il sort avec la polygamie. Pourquoi? La partie erronée de la sémence a de l'influence sur toute la sémence. Quand quelqu'un est ministre de la prospérité, même là où il est parlé de la répandance, la finalité c'est la prospérité. Toute la sémence doit être vraie. Et un faux enseignement, nous disait firmé en ces lieux, c'est une idole. On n'en améliore pas les formes. On n'améliore pas les formes de l'idole. L'idole, on doit la détruire. Et ou c'est la vérité, ou ce n'est pas la vérité. La semence doit être apportée. Et la loi de Dieu disait que chaque semence reproduit selon son espèce. Si c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui se manifeste.
Alléluia. Amen. La sémence d'un homme. Mon moto est mort. Dans le cœur d'un homme. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'une femme. N'a qu'un amour et à moi aussi. Cette sémence change la vie d'un homme. Mon moto est ton bon là. Le légué à moi aussi. Et on en connaît plusieurs cas. Chez moi c'est à la troisième semaine. Et pendant que j'ai dit la prochaine étape. À la troisième semaine, la maison n'est plus à l'ordre. Elle commence à vomir jusqu'au bout. Ce n'est pas qu'elle le veut. Et dit qu'on peut être à mais c'est le petit qui est en elle. Là, dit, moi, on va venir la carte qui dit que ça loin. Là, j'ai dit qu'on tient comme vous voulez. Si le petit l'a dit, sauf qu'il moi, on a l'obé. Gino Grenadine. Gino Grenadine, à mon avis. Et qu'elle, elle prend du Gino Anana. Il est à dire Gino Anana. C'est lui qui est à l'intérieur. Moi, j'ai dit la carte, on dit, j'avais dit. Ami, n'a Gino Grenadine. Gino Grenadine. Allez, retourne ça. Donc, il s'est à Gino Anana sort. Gino Anana est constant. C'est lui qui est à l'intérieur. Avait dit Gino. Alors, pas dit Gino si c'est lui qui est à l'intérieur, son cœur de la carte avait dit le beignet de la maman du coin. Alors, moi qui beignet, il y a maman ou elle reprend mon bain. Et toi, tu achètes le beignet de la maman du coin à gauche. Donc, tu beignet à maman ou elle reprend mon bain. Dès que la soeur mange, tant de commencer, c'est lui qui est à l'intérieur. Il dit, je t'avais dit, je t'avais dit, la maman du coin, maman, oh, il y a coin à nous. Mais tout de ça. Donc, il y a le beignet sort. Mon cas est connu. Ce n'est pas que la femme le veut. Elle est connue de moi, je suis à l'église. C'est celui qui est à l'église. Avec moi, avec la cage. Il dit que sa loi. Regardez qu'on pèse à mon père. Aujourd'hui, les noms. Si la sémence est vérité. Sauf qu'il m'en montre. Il est la parole infaillible. Mais Dieu, je ne peux pas écouter à sa tête. Dans la vie des noms. Quand il n'a pas mon amour. Elle qui dit sa loi. Il y a un monde qui est mon père. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne vas plus dans les bars? Pourquoi tu ne vas plus dans les bars? Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais c'est lui qui a les gars. Oh, il y a une carte. C'est lui qui dicte sa loi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as abandonné la cigarette? Pourquoi tu ne veux pas que je ne veux pas? Mais c'est lui qui a les gars. Oh, il y a une carte. Lui. Ça c'est son père. Moi j'ai l'avantage d'être comme mon père. C'est la sémence de l'homme. Mon pote est travail. Mais à combien plus forte raison la sémence car si pour les cas, on lui fait ça, mon pote est travail. Pourquoi Paul dit Dernière année, nous sommes dans ce monde. Qui sommes-nous? Vous allez travailler et qui vous, le Père nous a témoigné. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais car nous savons que quand il paraîtra, nous lui serons semblables. Nous le verrons. Quiconque a cette espérance en lui-même se purifie. Comme lui-même est le plus. Par l'écoute de la parole de Dieu. Et Jésus pourra dire vous êtes pur. Par la parole que vous avez entendue. Alléluia. Amen. Voici mon père et ma mère. Voici ma mère, mes frères, mes soeurs. C'est son seul qui accomplisse la volonté de Dieu. Si un homme pouvait faire le bien, sauf que mon tabouret pour ça là, il le fait. Mais il y a ça là qui est mort. Vous savez, oui. Si un homme pouvait faire le bien, sauf que mon tabouret pour ça là, il le fait. Mais il y a pour ça là mort.
Si Aaron pouvait éviter de voler, il le ferait. Et l'homme était capable. Quand il montait, il a dit regardez quel écriture dit à Caïn. Le mal est couché devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Caïn était incapable. Caïn n'a pas été dominé sur le mal. Il a pour qu'on la victoire. Et la victoire là, qui domine sur le mal. L'homme a dit qu'on Caïn n'avait pas un Caïn. Mais par la nouvelle naissance, le vainqueur de Golgotha, mon long et à Golgotha, vient s'installer dans une vie. Avec quoi pour ça, bon, il a été dit comme Paul. Bon, il a pour la parole à lui. Ce n'est plus moi qui vis. Et l'église se soutient, il y a un Christ qui vit en moi. Christ, là, avec comique, il a dit que je suis Paul Maradani. Je le suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans deux rois, dans mon ami Paul Jamibale, où nous avons lu, et tu as notamment qui c'est une belle histoire. Et l'église sera qui toque l'histoire d'Élie. Beaucoup de choses peuvent être dites. Vous connaissez comment Élie a été, comment Élisée a été appelé. Dieu a dit à Élie, d'abord, on entra Élisée. On comprend Élisée. On entra Jésus. On comprend pour Yéhu. Mais Élie a permis, pour la précision, là, que Élie aille chez Élisée. Et que Élie a pas Élie. Il a pris son manteau. À Zouaki, mon cotonnaillé. Il a jeté sur Élisée. À Bouakati. Le message a été compris. Sango et Sotorama. Élisée a dit Élie, laisse-moi aller dire au revoir à ceux de ma famille. Il y a un peu de monde et pas la libota. Élie lui dit Élie a bien fait. Va et revient. Kenda Pesonga. N'oublie pas. Au bout de la tête, ce que je te fais. Oh, yo, n'a pas de il est parti. Il est revenu à son mari et il était derrière Élie. Quand j'ai lu la Bible, depuis le temps où Élie a jeté sur Élisée le manteau, jusqu'au temps où Élie était parti, il y a eu trois rois. Élisée n'a pas dit à Élie. Comment ça est bon? Et vous le savez, tant que Moïse était là, Josué ne pouvait rien faire. Et vous le savez, évidemment, tant que Jean-Baptiste n'avait pas terminé, tant que Jésus ne pouvait rien faire. Jean-Baptiste a dit, il faut que c'est divine. Et c'est maintenant qu'il t'a, et que lui, payé à quoi? À quoi? À mon tant que le Branham était là, tant que Branham avait dit, il faut ne pouvait rien faire. Et voilà le cas pour voir le conseil de l'homme. Malgré le nombre d'années, à quel corps? Mikaïa, entre 62, où dans tout le monde a vu aller? Où le Seigneur a visité? Et pas il voit plus qu'on a celui de 105. On a dit à la mort de William Branham. Il fallait que Branham a beaucoup d'abord. Et c'est là qu'il y a Branham qui est là. Et le jour de l'enterrement de Branham, même au colon beaucoup d'amis à Branham, je dirai à l'enfant. Mon serviteur, mon salinateur, maintenant est un bon garayo. Ça, c'est hyper coquille. Dieu ordonne les choses. Dieu ordonne les choses. Jamais apaiser le tombeau. Rappelez-vous cela. C'est une parenthèse. Et vous êtes au cognon. Élisée était. Derrière Élie. Mais le jour où Élie devait partir, Élisée a compris. Élie dit à Élisée, Élie était à Gilgal. Malade à Gilgal, Élie dit à Élisée, le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée a dit, Élie, je ne reste pas ici. Le Seigneur est vivant. Mon âme est vivant. Élie me l'a dit, je ne te quitterai pas. De Bethel. Élie dit à Élisée, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il dit, je ne te quitterai pas. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. Je ne te quitterai pas. Élie était tellement, avait vu Élisée tellement collé à lui. Élie a mon acquis, Élie a dit, même Élisée a fini, Élie a fini par lui poser la question. Mais Élie a souka qui a porté la mot. Quelle fête tu fais? Il est dans la salle. Élisée lui dit, Élie a remis la vie. L'esprit qui est en nous. Mon livre a dit, je le veux en double portion. Il dit, j'ai demandé une chose difficile. Mais il n'a pas dit, j'ai demandé une chose impossible. J'ai demandé une chose difficile. Mais si tu me vois, quand tu me vois, quand tu me vois, quand tu me vois, quand
Le jour où il a parlé à tous ceux-là même passé, mon corps, il a parlé à si ma guide qui a été il dit, alors oui, si qu'il gagne, il représente une expérience chrétienne. Donc il gagne, à Zali Potaïsa, il est Potaïsa, il dit qu'il n'a pas Christ. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, il est là pour nous. À Jéricho, il y a eu un grand miracle. Il dit qu'on dit qu'on m'a dit ça. Et les journées, c'est la mort en soi-même. Mais il dit qu'il faut se présenter à 4 ans. L'ennemi peut venir et te dire à toi, mon goût, la coquille, quoi, ton malade. Le fait que tu as tué. Le colon divin, j'ai été baptisé. Au baptisme, ça s'arrête là. Et sous quel moment? Non, frère. C'est bon. La marche continue. Au bébé, comment? Nous voulons encore aller d'expérience à l'expérience. La finalité de ta vie, sous ce n'est pas seulement d'avoir cru et d'avoir été baptisé. Mais l'œuvre que Dieu a entamée en toi, il faut que cette œuvre soit amenée à l'achèvement. Exactement. Comprenez-vous ça? Il n'est pas question de s'arrêter à l'expérience chrétienne. Il a voulu lui apporter la maladie, lui dit que ce mot est mon Christ. Et que tu es à l'église. Mais oui, est content de ce qui s'est passé au début. On s'est payé, la prédication qui est apportée. Doit t'amener par l'action de l'esprit. Et c'est que les gens ont dit à l'expérience en l'expérience. Nous sommes un peuple en marche. Ceux qui les croient disent amen. Sont pèlerins, voyageurs, nous avons entendu parler de ces dieux. Dans la marche, nous voulons le voir. Et que chacun puisse avoir un témoignage. Et que chacun puisse avoir des expériences qu'il peut présenter. Et tes expériences à toi, il n'y a que toi qui pourras en parler. Quand dans Jean 9, il y avait un aveugle. Amen. Tu fréquentes l'église.
Ça te suffit. Nous ne prêchons pas pour que les gens soient membres de l'église. Nous prêchons pour que les gens rencontrent Christ. L'église ne sauve pas. L'église est le thème de la prédication. Car vous tous les deux, c'est Christ. Mais la prédication de la croix est une puissance. Reste à péter les lits. Élisée, Elisha, reste à Jéricho. Il y a une miracle. Ça ne suffit pas. Et pour quitter. Car, Jami, en Égypte, la boca d'Égypte, les miracles y arrivent. Et quand vous savez que ça va, le peuple n'était pas sous le gâteau. Il va t'en vivre qui s'en a quitté. L'eau était changée ensemble. Ma pomme la vie, comme il m'a dit. Le peuple n'était pas sous le gâteau. Il y a eu beaucoup de choses. Ma pomme la vie, comme il m'a dit. Mais c'est jusqu'à ce que l'avion Pascal a été saccagé. Et qui au moins n'en parle, c'est un moment, n'en parle pas, c'est un moment. Il y a la délivrance. Il y a un délivrance. Il y a un délivrance. Il y a un délivrance. Il y a eu des miracles. Cela n'a sauvé personne. C'est d'accord avec moi? On dit oui. Cela n'a sauvé personne. Jusqu'à ce que. Qui nous tient? Golgotha devait s'accomplir. Amen. Golgotha devait s'accomplir. Le Seigneur devait donner sa vie. Afin que le salut devienne accessible. Les miracles. Quand c'est Dieu le fait. Quand nous sommes encore dans l'état biblique, le miracle ne sauve pas. Nous ne voulons pas nous arrêter au miracle. Regardez la particularité de ce texte. Cependant, Élisée avait un but. On pouvait qualifier les généraux. Il savait pourquoi il était collé à Élie. Tant que le but n'était pas atteint, il a combattu avec le Seigneur. Le baptême s'est présenté. Alléluia. Amen. Bien mes frères. Il fallait avoir le courage et c'est vrai qu'on a l'ambigo et la témérité c'est là le problème. Regardez maman la dit le fils des prophètes regardez les lois bah la masque la musique aujourd'hui encore les gens mourir en soi pourquoi faire quatre les gens regardent des lois bah total comment aussi la nature humaine non les gars vont c'est que même naturellement peur de la mort moto à la canne somme et au fond
Il y a seul le cœur. Naturellement. Dans le cœur de la mort. C'est là, c'est manifeste aussi même spirituellement. L'homme a peur de perdre ses intérêts. Moto, arrête la propagande, il y a beaucoup qui s'en va mal. Nous vous disons ceci. Ce que vous perdez en acceptant Christ. Et beaucoup moins intéressant que ce que vous allez gagner en acceptant Christ. Et dans mon tout mosquée. L'apôtre Paul a dit, ce qui est pour moi un gain. Je le considère comme une perte. À cause de l'expérience de Christ. Pourquoi cela? Tout simplement bien, mes frères. Les choses visibles sont passagères. Il y a tant mon cousin. Oui, frère. Il y a son mari. Les richesses. Bonjour. La gloire. Le succès. Colonga est passager. On en a connu les plus riches. Mais ils se sont arrêtés. On en a connu les plus glorieux. Mais ils se sont arrêtés. Tout ce qui a commencé finit par se terminer. Les choses visibles sont passagères. Mais celles qui sont érasées sont éternelles. Voilà pourquoi les élus ne vivent pas d'après ce qu'ils voient. D'après ce qu'ils entendent, les élus vivent d'après ce qu'ils croient. Amen. Peu importe ce que les gens diraient, peu importe ce que tu verrais, le problème c'est de croire que Dieu est fidèle. Et ceux qui disent que Dieu est fidèle, ils veulent dire que Dieu mérite qu'on lui fasse confiance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le problème ce n'était pas l'église. Il a présenté une grande exigence. Il a pris son manteau. Et que le manteau est tombé. Élisée a récupéré le même manteau. L'occasion n'était plus pour lui. D'avoir un manteau neuf. Il a préféré prendre un manteau de seconde main. Un manteau que quelqu'un d'autre a déjà apporté. Vous connaissez les conditions dans lesquelles Élie vivait. Élie vivait dans le désert. Élie, la chaleur, la sueur, tout ça. Ça n'était pas évolué pour Élie. Et qui est capoté pour Élie. Le souci d'Élie, c'est que par ce manteau-là, il voulait expérimenter la puissance du Dieu d'Élie. Alinga de ta vie qui mourait ensemble Élie. Et qu'il ne puisse plus témoigner. Des expériences d'Élie. Ma tante au lieu de ma vie qui a Élie à terre. Ses propres expériences. Voyez-vous la chose? Ils ont traversé le Jourdain. Élie a frappé l'eau. L'eau s'est divisée. Ils ont traversé. Mais au retour du Jourdain, Élie n'a pas dit à Jourdain. Tu ne te souviens pas de moi? Mais on est passé ici avec Élie. Non. Le temps d'Élie était fini. Élisée a pris le même manteau. Élisée a frappé le même Jourdain. Il croyait. Il avait confiance en la puissance du Dieu d'Élie. Voilà pourquoi il a crié. Où est le Dieu d'Élie? Aujourd'hui encore, l'Église. Moi, je n'ai pas besoin de manteaux neufs. Nous n'avons pas besoin que les hommes nous habillent. Nous n'avons pas besoin des doctrines, des credo. Il y a mal à côté. Non, mon frère. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Voilà encore Jésus-Christ. Tel nous devons être dans le monde. Mais lui, quand j'étais dans ce monde, il a dit. Va ce que tu veux. On va comme je le veux. Va ce que tu veux. Comme tu le veux. Et quand il est dans le monde, on a fait tout ce qu'on a fait sur lui.
On l'a pas fait réagir. Il a accepté juste la humiliation. Mais quand il était dans le monde, il a marché comme un simple homme. Mais cependant, c'était Dieu dans une chair humaine. Donc, quand il était dans le monde, il était tellement attaché à la parole du Seigneur. Par cette exhortation de ce soir, c'est de vous amener, de nous amener à ne pas nous arrêter sur des expériences passées. La finalité, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est rendue parfaite par le baptême du Saint-Esprit. Il faut que ton cœur soit disposé à l'écoute de la parole. Et quand la parole est annoncée, quand la semence est apportée, il n'y a pas que des choses douces. Quand on a pour la popularité, les amis, il y a aussi des paroles de censure. Malheureusement, il y a pour 4 les amis. N'est-ce pas, frère? Il y a aussi des paroles de réprimande. Il y a aussi des paroles d'exhortation. Mais alors que dans ces siècles, donc, avec la carte, les hommes ne supportent pas la sainte doctrine. Ils ne veulent pas écouter. Le Seigneur dit à Ézéchiel, moi, je suis de l'homme. Ils ne veulent pas t'écouter, toi. Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, moi. Mais, dans la même génération, les élus, Dieu a mis dans leur cœur une disposition pour entendre sa parole. Les cieux et la terre passeront. Et la parole de notre Dieu demeure éternelle. Alors, le secret de tout ça, ce n'est pas de s'arrêter au baptême. N'écoute pas, qu'on attrape. Ça va pousser de nouveau. Et qu'on porte des soucis. Mais déracine. Car tu piques la vie dans la vie. Fais un même coup. Attends, pour ça. Qu'il soit outil. Il y a moins pique quoi, mon ami. Car c'est Dieu qui le fait. Son contrôle est dans la vie. Dieu fait et parfait. Oh, Jean, c'est la question que vous m'avez. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la marche, frère. Quand les quatre moments, quand nous regardons en nous. Et les huit sont quand nous nous arrêtons un peu. Dans ton côté, vous m'avez. C'est par là que nous terminons. N'est-ce pas que vous avez fait que dit. Quand vous lisez dans les psaumes, il est écrit pause. Tant que vous avez un canal de malobi, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il réfléchit un peu. Au père, au quasiment, il est confédé. Il connaît la haute et au tout. À un certain moment, les élus doivent s'arrêter. Et regarder en soi. Et dire comme le psalmiste, c'est comme le premier. Sauve-moi, oh Dieu. Maintenant, je continue à connaître mon cœur. Et il y a mon thème à la maille. Sauve-moi, oh Dieu. Maintenant, je continue à connaître mon cœur. Regarde, t'as là. S'il y a quelque chose de faux, sans qu'il y ait un problème, ma bête, enlève. Longola, qui connaît. Si je suis sur une mauvaise voie, tu peux dire que c'est là où elle tourne, moi. Longola, maïe. Mets-moi sur le chemin de l'éternité. Il y a un gars qui m'a dit que c'est le chemin de la vie. Le monde est sous pression. Nous sommes tous sous pression. Et que la parole, la vie que nous avons, puisse être proportionnelle à la dimension de la révélation que nous avons. Êtes-vous d'accord avec moi? Et ça, ce n'est pas des choses qu'on fabrique. Ça, c'est Dieu qui le fait. Puisque c'est Dieu qui le fait, les élus iront à lui régulièrement. Seigneur! Ça, 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 oye, 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 oye,
n'aimerais pas de condamner le fait que je sois à l'église. Je n'aimerais pas de condamner le fait que je prêche. Je n'aimerais pas de condamner le fait que je fais ça. Puisque la marche continue, que Dieu ait sa miséricorde, fasse vivre sa parole en nous. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fera. Alors voilà pourquoi pour terminer. Loin de moi la pensée. Il y a des modifiés d'autres choses. Ni de l'église, ni de mes moyens, ni de mes habits, ni de mes richesses, ni de mes fonctions, ni de mon travail. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, comment on a une nouvelle création, voici les choses anciennes sont passées. C'est tellement important que même la prédication en qualité est apportée en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. À mourir. À mourir au vieil homme. À mourir au monde et aux choses. Et que les goûts, les désirs, qui sont contraires à sa volonté, Dieu les enlève. Si vous êtes sincère, voyez que Dieu est fidèle. Dieu le fera. Que la grâce du Seigneur repose dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par lui. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est lui qui le fait à nous. Le psalmiste disait, Seigneur, tu nous donnes la paix. C'est ce que nous faisons, c'est toi qui l'as conduit. Que le nom du Seigneur soit loué. On va nous chanter. Et après cela, nous allons nous tenir le plus. Et chacun de nous va voir sa prière. Nous sommes à la page 16. Nous chantons le cantique 52. Vêtu, grisé. La puissance, la force sont à vous.